Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 10 septembre. Dans 10 jours, c'est mon anniversaire. J'arrête pas d'y penser en ce moment, alors que d'habitude, ça me fait rien du tout. En plus, je vais être toute seule cette année pour mon anniversaire, puisque c'est le week-end des enfants chez leur papa. Donc, c'est pas gravissime en ce moment. C'est le dimanche en plus, et ils rentrent le dimanche soir. Donc, on le fêtera dimanche soir, c'est pas très grave. Et donc, là, je viens tout juste de rentrer. Il est 9h05. Du coup, je voulais vous prévenir que... Enfin, vous prévenir. Je vous préviens pas, puisque en fait, pour vous, ça sera hier. Donc, ça ne vous parlera que moyennement. Je vais juste vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vlog en ligne aujourd'hui. Donc, pour vous, hier. Tout simplement parce que... En fait, j'avais oublié de faire une ouverture. J'étais persuadée de l'avoir faite, l'ouverture, et... j'ai oublié. Donc quand j'ai voulu faire mon montage hier, en fait déjà ça commençait à 17h et puis il n'y avait pas d'ouverture quoi. Donc je me suis dit tant pis, je le mets pas. Donc j'ai pas mis de vlog en ligne, mais alors du coup j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Ce qui s'est passé des choses hier. La première chose c'est que j'ai eu le retour, mais ça je vous en avais peut-être déjà parlé parce que ça date d'avant-hier si je me trompe pas. J'ai eu le retour de Pôle emploi pour les congés qui ne m'ont pas été payés. Et effectivement, j'ai droit à une aide complémentaire de salaire. Donc ça, c'est très bien. Je ne sais absolument pas de quel montant elle sera, mais en tout cas, j'en ai une. Donc c'est déjà très bien. Ensuite, je voulais vous parler par rapport à Eric. Alors normalement, je me suis engagée auprès de lui à ne pas parler de lui parce que c'est son souhait. Et je respecte ça. Simplement, depuis quelques jours, j'ai beaucoup de messages le concernant. Me disant que, il n'est pas cool, qu'il n'aide pas, que c'est pas normal, que tout ça. Alors, je voudrais recadrer les choses. Eric est là. Pas beaucoup, j'en conviens, mais quand on a besoin, il est là. Donc, je n'en parle pas parce qu'il me demande de ne pas parler de lui. Donc, même s'il vient nous aider ou quoi que ce soit, je n'en parle pas. Donc, là, par exemple, demain soir, c'est lui qui va emmener les gars au BMX parce que moi, j'ai rendez-vous chez le dentiste à 17h. Je lui ai demandé, il m'a dit oui tout de suite. Pour vous situer aussi, hier matin, il est passé à la maison parce que, comme je vous l'avais dit, il devait passer mardi soir. Finalement, il n'a pas pu. Donc, il est passé hier matin avant qu'Elsa parte au collège, en fait. Donc, avant que lui aille travailler pour lui ramener sa veste avec ses clés de casier, etc. Il est passé à la maison. Au moment où moi je partais travailler, et là il me dit est-ce que je peux te parler deux minutes? Je fais non, moi j'ai pas le temps, je dois partir travailler. J'avoue que dans la globalité, j'évite les conversations ensemble parce que ça part toujours en vrille, on n'est plus du tout d'accord sur rien en fait. Donc du coup, j'évite de lui parler. Donc souvent quand il me demande pour parler, je lui dis non parce que ça me fatigue. Mais bref, et là il me dit non mais c'est important. Et il me dit en plus, c'est personnel, je voudrais... Voilà, c'est personnel. Je lui dis, écoute, viens dehors, moi je pars, quoi. Et donc, il m'a suivi jusque dehors. Et là, il me dit, je suis désolée, je vais être un petit peu indiscret, mais il me dit, j'ai vu le montant de ta paye. Parce que en fait, mon salaire est toujours viré sur le compte commun. Donc, en fait, quand il arrive, je le revire sur mon compte perso. J'ai donné mon RIB au niveau du boulot, mais en fait... Elle l'a pas pris en considération, elle est restée sur le RIB que j'avais utilisé en 2018 quand j'avais travaillé là-bas. Elle a continué à me payer sur ce RIB-là en fait, sauf que du coup depuis ça avait changé. Et mon nouveau RIB je leur ai donné au mois de juin et pour l'instant ça n'a pas été modifié. Donc je vais en redonner un autre lundi. Mais du coup il a vu passer, vu que c'est le conjoint, il y a accès aussi et il a vu passer le montant de ma paye. Et je lui dis oui et il me dit comment tu vas faire? Et du coup, je lui dis, en même temps, je lui dis, elle m'a déduit les 3 semaines de congé auxquelles j'avais pas droit, quoi, c'est tout. Et du coup, il me dit, ok, il me dit, Et du coup, j'ai pas plus parlé que ça. Il me dit, mais je voulais juste te dire que si t'as besoin pour faire tes courses ou autre... il m'a dit, juste, je voulais te dire que si t'as besoin pour faire des courses, tu me le dis. Et là, je me suis dit, c'est gentil, je te remercie. J'avoue que je m'attendais pas du tout à ça, hein, parce que même si, quand je lui demande des services, il me les rend et il est là pour les enfants et tout ça, il n'y a pas de souci.
que là, j'avoue que je m'attendais pas du tout à ça. Donc oui, Eric est présent dans nos vies. Oui, il m'aide. Certainement pas autant que je l'aimerais, mais il m'aide. Donc je me dis que ça pourrait être pire. Hein. Il aurait pu disparaître de la circulation, abandonner ses enfants. Enfin non, il est là pour eux. Et moi, c'est tout ce que je demande. Après, le fait que je me débrouille toute seule, eh ben, c'est comme ça, c'est ma vie. C'est pas grave. Moi, je lui demande rien pour moi. Je veux juste qu'il s'occupe de ses enfants. C'est tout. Donc, à partir de là, je voulais juste recadrer les choses. Il est là pour ses enfants, donc il n'y a pas matière à le critiquer, en fait. Voilà. Donc là, je vais passer deux appels téléphoniques très importants. Et ensuite, je vais me mettre au ménage. Parce que, comment vous dire, il y a du taf. Ici et dans l'entrée, c'est Beyrouth. Donc, je vais m'en occuper. Là, j'ai mis la musique de relaxation sur Alexa, parce que nous avons reçu notre assistant vocal. Je vais vous mettre une petite vidéo là juste après. Je l'ai filmée hier en fait. Elle aurait dû apparaître dans le vlog d'hier, mais je la trouve tellement mignonne. Hier en fait, les enfants s'amusaient avec Alexa. Et du coup, à un moment, les enfants lui disent « Alexa, je t'aime !» Mais pour rigoler. Et vous allez voir la réaction de l'assistant. Donc, j'avais filmé hier pour le mettre dans le vlog, donc je vous remets la vidéo là tout de suite. Et du coup, je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai fini tout ce que j'ai à faire. On a reçu... Marceau, viens voir. Viens, vas-y. Attends. Alors, vous allez voir un petit peu, parce qu'on a reçu notre assistant vocal. Vas-y, Marceau. Tu le poses, il n'a pas besoin d'être en l'air. Elle. Et Marceau, on t'écoute. Elle n'a pas besoin. Alexa, je t'aime. Alexa, je t'aime. Merci pour ce je t'aime. Je l'écoute entier. Vous êtes vraiment la paix. Mais il est dur. Vous avez vu celui de Dieu? Maman, par contre, là, on ne voit pas. Assistante dévouée. Ah. Assistante dévouée, j'aime bien ça. Donc tout à l'heure, en fait, j'ai dit Alexa, mets-nous une alarme pour nous rappeler. Mets une alarme à 16h45 pour nous rappeler d'aller marcher. À 16h45, elle me dit, vous devez aller marcher. C'était énorme. Je vous reprends, il est 10h10 et en fait, je viens de réaliser qu'on ne pouvait pas mettre la musique pendant le vlog. Midi 10, on est rentré avec les gars, donc moi j'ai avancé pas mal quand même, donc je suis très contente, j'ai bien avancé parce que en fait j'ai passé pas mal de temps au téléphone, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Maman, attends, il a fait quelle scène? Il a fait comme ça, le truc il a lâché. Il y a du sel partout sur ta main maintenant. Tu vas voir? Ce n'est pas une blague, maman. Mais la preuve. Non, mais la blague. Pardon. Ah bah ça va pas suffire, hein, pardon, en fait. Nettoie la table. Et que ça soit... Alors déjà, tu vas nettoyer la table en faisant attention à tes mains. Ouais. Oh. Je pense que le mieux, ce serait de prendre l'aspirateur, hein, clairement, parce que ça craint, ça. Tu vas le mettre tout de suite dans la poubelle. Je croyais que tu devais vérifier son pourcentage pour m'appeler en charge. Elle charge pas. Mais je l'avais mis en charge. Elle ne charge pas. Pourquoi? Elle était brûlante quand je l'ai prise et elle ne charge pas. Pourquoi? Donc je pense que ton chargeur, il a un problème. Bon, bref, est-ce que je peux vlogger sans que vous me coupiez la parole? C'est bon ou pas? Mettez le... Non, tu vas mettre la table. Sinon, on va jamais manger. Donc, effectivement, je reprends. Ce matin, j'ai passé pas mal de temps au téléphone. Donc, en fait, il fallait que je rappelle mon avocate pour faire changer la procédure de divorce. Il fallait que j'appelle l'assurance habitation parce que je voulais changer d'assurance. Et puis, non, tu décroches, tu prends que le tuyau. Oui. Et puis il fallait que j'appelle le RASED aussi, sauf que parce que Combe commence à demander pour passer les tests psychométriques. Jusque là, pardon. Ah si. Oui, on est d'accord. Hein. Que en fait la maîtresse m'avait dit que tant qu'il lui n'en ressentait pas le besoin et elle comprenait que je ne lui fasse pas passer les tests, mais que de toute façon elle pense qu'effectivement il l'est. Ben c'est pour savoir si... Non, c'est pas psychomotricien. Psychomotricien, c'est ce qui passe à deux. Ah oui. Toi, c'est psychométrique. Qu'est-ce que ah tu oui. fais? Tu veux bien me l'enlever? Ah, oui, non, mais là, c'est dangereux ce que tu fais. Et donc, du coup, attends, comme Co m'a demandé à passer les tests psychométriques, donc ça n'a rien à voir avec ce que va faire Adam, puisque Adam, c'est vraiment des tests pour comprendre un petit peu son fonctionnement, en fait.
Après, comme c'est plus effectivement les tests de QI, c'est plus mal. Donc, c'est bien l'aspirateur en même temps que je vous parle, j'adore. Donc, il fallait que j'appelle le RAZED et en fait, ben, je comprends pas parce que quand j'appelle le numéro, ben, tiens, va chercher ton cahier COM. Ouais, merci. En fait, la maîtresse de COM m'avait donné le numéro justement pour que je puisse les contacter au mois de juin finalement. C'était un petit peu avant le mois de juin. Et en fait, bah avec tout ce qu'il y a eu, le confinement, etc., ma reprise de boulot et tout, en fait, j'ai pas appelé. Donc bah là, je voulais appeler ce matin et... Bah voilà. Quoi ? Ça m'envoie sur le numéro de téléphone d'une école. La maîtresse m'avait noté ça dans le cahier de liaison de l'année dernière et donc du coup, bah, je l'avais pas noté en fait, donc... Bah là, j'ai demandé à COM de récupérer son cahier et en fait, il l'a toujours. Donc, bah, je vais voir le numéro qui ressort dans le cahier de COM, si c'est le bon numéro ou pas. J'ai laissé un message quand même hein, en disant que c'était le RAZED que j'essayais de joindre. On verra bien si j'ai des nouvelles ou pas. Du coup, bah ça m'a pas pris, enfin ça m'a pris du temps, le temps que je cherche. Mais non, c'est surtout l'assurance habitation. En fait, je me passe 3 plombes au téléphone. Mais au moins, c'est fait. Du coup, après, je me suis occupée du dossier de la CAF et j'ai eu raison de le reprendre. Parce qu'en fait, quand je l'ai regardé, il fallait que je joigne des documents. Donc là, c'est bon, il est complet. Je pourrais aller le déposer cet après-midi. J'ai retrouvé le courrier pour la Banque de France. Donc, c'est parfait. Je vais faire tout ça cet après-midi. Et bah, en fait, je vais partir directement hein, quand je vais déposer maman, les enfants. Et maman, il fait plus chaud qu'hier. Un peu. Oui, 1 degré. Avec plus. Non, 2 degrés. Marceau, non. Vous mettez la table. Donc là on va manger et puis bah après on va s'activer un ramassage. Après j'ai fait du ménage hein, évidemment et j'ai réussi. La seule chose que j'ai pas fait c'est le balai vapeur, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai passé l'aspirateur sauf dans la cuisine, j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'à la cuisine. Mais en fait je vais essayer. Normalement je vais pas rentrer pile au moment de l'école, donc quand je vais rentrer, je vais terminer en passant par la cuisine et faire les sols. Bah, je vais faire d'abord le salon puisque il est déjà aspiré. Je vais passer le balai vapeur directement ici. Comme ça, ça aura le temps de sécher le temps que moi, je suis de l'autre côté. Donc là, c'est parti. On va manger. Bon, je vous reprends. Il est 16h et comment vous dire, j'ai pas pu faire tout ce que j'avais à faire, hein, clairement. Je suis passée à la Banque de France qui, en fait, est fermée. En fait, on ne peut faire les démarches que par Internet à cause du Covid. Et donc, du coup, si on n'arrive pas à faire par Internet, il faut prendre rendez-vous. Comme je ne le savais pas, évidemment, c'était compliqué. Du coup, je suis passée à la CAF. J'ai déposé mon dossier. Elle m'a dit que c'était complet. Donc, normalement, je vais retrouver le bénéfice de mes allocations. Et puis, comme ce soir, j'ai trouvé un petit vélo pour Marceau. Un petit vélo 14 pouces, c'est juste pour qu'il apprenne en fait à faire du vélo sans roulette. Et après, je vais acheter un autre vélo pour Noël. Et là, celui-là, je l'ai trouvé à 20 euros. Il est juste à côté de chez moi. Donc du coup, j'ai rendez-vous à 17h30 pour aller le chercher. Et donc, je suis passée à la banque chercher de l'argent pour le payer. Et donc, j'en ai profité parce que comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, si vous ne me suivez pas depuis longtemps... j'ai une interdiction bancaire qui court encore jusqu'en mai prochain. Et donc, du coup, au niveau de ma carte bancaire, je suis assez limitée. Du coup, ce qui est logique. Hein. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est lié à un dossier de surendettement que j'ai fait il y a 5 ans. Enfin, bientôt 5 ans. Et donc, au jour d'aujourd'hui, forcément, j'ai des moyens de paiement limités. Ce qui est logique, puisque ça fait suite au dossier de surendettement. Je suis passée à la banque et en fait, elle m'a proposé, étant donné que ma carte, elle est plafonnée à 300 euros par semaine, elle m'a proposé en fait d'ouvrir un compte en ligne. Alors ça s'appelle My French Bank, peut-être que vous connaissez déjà. Et ben, en fait, c'est un compte qui ne se gère que en ligne. Et donc, elle m'a dit avec cette carte-là, vous n'aurez pas de limitation en fait. Elle m'a dit c'est pas avec des autorisations, donc vous serez tranquille avec ça. Du coup, je me suis dit, bah carrément, quoi, c'était ma solution. Donc j'ai une nouvelle carte qui ne porte pas mon nom, puisqu'elle m'a été remise en agence, et instantanément surtout. Mais du coup, tout est gérable en ligne, et franchement, les conditions qu'elle m'a données, c'est trop top. Ça coûte 2 euros par mois, et je me dis, ça va me changer la vie. Hein. Donc, je ne sais pas encore si je vais faire virer mes revenus dessus. Peut-être l'un de mes deux
Certainement, comme je dois redonner un nouveau RIB pour ma paye, je pense que je vais faire virer ma paye sur ce compte-là et mes allocs sur l'autre compte, puisque j'ai quand même des prélèvements qui arrivent sur mon compte bancaire classique. Donc, je vais vous laisser parce que du coup, je m'occupe de ça là tout de suite parce qu'après, les enfants vont arriver. Donc, ça va être très compliqué de gérer ça. Il faut en fait que j'active mon compte, ma carte, etc. Donc, je dois gérer en fait. Donc, je vous reprendrai tout à l'heure après avoir cherché les enfants. Il y a Laura qui vient de venir me chercher pour savoir si je voulais aller avec elle chercher son fils à la mam. Mais du coup, je lui ai dit que je préférais gérer ça avant et je la retrouverai sur le chemin dès que j'aurai terminé. Voilà. Bon, je vous reprends, il est 22h25. Je viens de monter ce vlog jusque-là. Et ben, en fait, je vous retrouve pour le clôturer, n'est-ce pas? Après, je vais aller me coucher. Et puis, je voulais juste vous donner quelques petites anecdotes de la journée. Alors, en fait, tout à l'heure, du coup, j'ai été chercher les enfants à l'école. Et finalement, c'était Laura qui était en retard. Donc, j'ai récupéré Luna. Et en fait, Laura a trouvé du travail. Donc, du coup, je vais lui garder Luna demain midi. Donc, c'est une super nouvelle pour elle. Ensuite, les enfants voulaient qu'elle vienne prendre le goûter à la maison. Donc, c'est ce qu'on a fait. Elles sont venues, enfin je dis elles, il y avait Mathis aussi, donc c'est pas très gentil. Ils sont venus, on a pris le goûter ensemble, et puis ensuite moi je suis partie du coup chercher le vélo de Marceau. Je suis arrivée 10 minutes avant, alors je me suis dit, c'était dans la même commune, et à la fois juste à côté de mon relais, Mondial Relais, donc comme j'attendais des commandes Vinted, je me suis dit, j'en avais 2 sur 5 qui étaient arrivées. Donc je me suis dit, je vais y aller. Vu que j'avais 10 minutes devant moi et que c'était juste à côté, donc j'y suis allée, sauf qu'en fait c'est un opticien et en fait il y avait des clients dans la boutique et du coup en fait ça faisait plusieurs fois qu'elle essayait de jongler entre elle et les gens qui venaient déposer ou chercher des colis. Et moi quand je suis rentrée, elle me dit je suis désolée, je vais vous faire attendre parce qu'en fait j'arrive pas à gérer mon dossier là. Donc sur le coup je me suis dit ouais, pas trop longtemps quand même, donc j'ai attendu et en fait elle m'a prise pile à 18h. Et là, la grosse surprise, c'est que en fait, sur mes 2 colis, il y en a un qui était très bien. Donc, en fait, j'avais commandé, j'ai trouvé sur Vinted la même veste que j'avais commandée à Marceau, la petite veste au Kaidi avec juste le petit col montant. Je suis trop contente parce que j'ai eu un réel coup de cœur pour cette veste. Et là, du coup, que comme est la même, c'est vraiment top. Je suis dégoûtée de pas l'avoir trouvée en 6 ans parce que sinon, je l'aurais prise aussi pour Marceau, pour Adam. Mais je l'ai pas trouvée. Après, j'avais commandé des chaussures, donc c'était le 2e colis que j'avais reçu. Et en fait, là, pour le coup, j'ai trouvé les mêmes pour Adam et pour Marceau. Donc aujourd'hui, c'était celle de Marceau que j'avais reçue, sauf que, en fait, j'arrive, le colis était arraché. Enfin, c'était dans une enveloppe bulle. La dame avait remis en plus par-dessus du scotch marron, donc c'était quand même relativement bien emballé. Mais voilà, le colis était arraché et concrètement, il manquait une chaussure dedans. Donc je me suis dit sur le coup c'est peut-être dans le camion du livreur. Donc j'ai laissé le colis, j'ai refusé de le prendre parce qu'il était hors de question que je récupère un colis dans cet état. J'attends, du coup je lui ai demandé si elle pouvait voir avec le livreur s'il n'avait pas retrouvé une chaussure la veille dans son camion, parce que du coup elle pourrait lui dire que elle était pour une de ses clientes. Mais elle m'a dit honnêtement j'y crois pas. Hein. Elle me dit il n'a pas dû, enfin c'est peut-être pas tombé dans son camion, c'est peut-être tombé dans le hangar en fait sur le quai. Enfin et là je me suis dit ouais, elle a pas tort. Donc bon, j'ai fait une réclamation auprès de Vinted. Alors évidemment, comme c'est un truc anglais, en fait, on a la possibilité, pour avoir des réponses plus rapides, d'accepter de recevoir une réponse en anglais. C'est ce que j'ai fait, sauf qu'en fait, les premières réponses qu'on reçoit, c'est jamais en lien avec... en gros, ça répondait pas à ma question, quoi. Ça traitait pas du tout mon problème. Donc là, ils m'ont dit, j'attends de voir avec le service vente, en fait. Donc j'attends un retour de leur part. Moi, j'ai volontairement pas accepté le colis parce que je voulais pas qu'on dise que c'était moi qui l'avais offert et que j'avais retiré moi-même la chaussure. Donc, je l'ai pris en photo et je leur ai envoyé à Vinted. Donc, je suis hyper dégoûtée parce que franchement, quand j'ai vu la chaussure qui était dans le paquet, elle était neuve comme en magasin, quoi. J'ai payé les chaussures 7,50 €. Enfin, avec les frais de port, j'ai dû en avoir pour... 11,50 €, je crois. Et pour des chaussures au Kaidi, je suis désolée, j'achetais toutes les chaussures de mes enfants avant chez au Kaidi.
La paire de chaussures, c'était entre 35 et 45 euros quand même. Hein. Donc, à moins de prendre des petites tennis en toile. Mais je veux dire, des chaussures. Et là, c'est des chaussures genre simili-cuir, tout ça. Donc, c'est des bonnes chaussures que j'avais prises pour l'hiver. Et ben, il manque une chaussure. Donc là, je suis dégoûtée. C'était celle de Marceau. Donc, je vais voir si je peux lui en retrouver d'autres quand ils m'auront remboursé. Et puis, ben, on verra bien. Du coup, le vélo, ben, il est top. Il en a fait. Il lui va bien. Finalement, je sais plus si j'en avais parlé, mais Emeline m'en avait proposé un. Honnêtement, quand je l'ai vu, j'ai pas compris parce que le vélo, il est neuf, en fait. Au début, elle savait pas trop me dire combien elle voulait le vendre parce que elle était pas sûre que son papa ne voudrait pas le récupérer puisque c'est lui qui l'avait offert à Paul. Et du coup, finalement, non, il veut pas le récupérer. Donc, elle le met vraiment en vente. Elle le vend 50 euros. Je trouve que pour un vélo qui, concrètement, est neuf, hein, parce que Paul, c'est vraiment pas un fanat de vélo, bah, je lui ai dit, écoute, je veux bien te le prendre. Parce qu'en fait, comme elle a mis du temps à me répondre, bah, moi, j'avais la dame pour l'autre vélo qui me relançait. Et donc, j'ai accepté l'autre vélo. Et bah, j'ai demandé à Emeline si elle acceptait de le garder jusqu'à Noël. Elle m'a dit pas de problème. Donc, du coup, bah, le vélo que Marceau était censé avoir à Noël, bah, ce sera celui-là. Donc, pour 50 euros, honnêtement, ça me va bien. Du coup, j'ai regardé un petit peu, oui, j'anticipe, hein, pour voir un peu le budget que ça va me coûter pour les cadeaux de Noël. Et bon, ça va être un beau budget, mais je pense que les enfants vont être contents. Voilà, y a pas de raison. Donc, bah, après ça, je suis rentrée à la maison. Et puis, en fait, quand je suis rentrée, on est allé évidemment essayer les vélos, enfin le vélo. Donc, Marceau a fait du vélo à l'endroit où on fait d'habitude et il s'en sort très bien, donc c'est nickel. Ensuite, je suis rentrée, j'ai discuté avec ma voisine pendant au moins 20 minutes. Et puis, on a parlé de nos solitudes parce qu'elle aussi, elle a quitté son mec. Et donc, du coup, on a discuté, mais vraiment bien discuté. Et puis après, je suis rentrée, les enfants ont pris leur douche, on a mangé. Et puis, on a regardé un peu la télé en même temps. Et puis, bah, là, après, je les ai emmenés au lit. Donc voilà, demain matin, je vais chez le coiffeur. Alors, c'est triste parce que j'en ai pour 60 euros. Ça me saoule un peu de dépenser autant d'argent pour mes cheveux, mais... Je me dis, en fait, j'ai failli l'annuler parce que à la base, si je vais chez le coiffeur, c'est parce que Anaïs est en panne de scooter, enfin, elle n'a plus de scooter et que du coup, bah, si je veux faire mes cheveux, il faut que moi j'aille là-bas. Sauf que moi, pour aller là-bas, j'en ai pour 20 minutes, le temps qu'elle me fasse la couleur. Après 20 minutes retour, honnêtement, j'ai pas le temps, quoi. J'ai trop de trucs à faire et du coup, bah, j'aurai pas le temps. Donc, je me suis dit, bah, je vais aller chez le coiffeur, c'est sur ma commune, c'est parfait. Sauf que quand elle m'a annoncé 60 euros, j'avoue que j'étais un peu dégoûtée. Mais après réflexion, je me dis après tout, le 20 septembre, c'est-à-dire dans 10 jours, c'est mon anniversaire et je me dis, je peux quand même me faire plaisir au moins. Donc demain, je vais refaire mes racines, je vais désépaissir mes cheveux et peut-être faire une frange rideau. Je sais pas si vous connaissez, mais moi, j'aime bien ça. Maintenant, je me dis que j'ai peut-être pas les cheveux assez longs. Je ne sais pas. Je vais voir avec elle et puis on verra si elle est visagiste ou pas. Mais ça me tente bien. Donc bah, demain, ça sera ça. Et puis demain après-midi, je vais chez une amie de chemillée, en fait, une connaissance de quelques années déjà, puisque nos enfants étaient dans la même école quand on est arrivé dans la commune. Et en fait, elle a une entreprise comme la mienne. Et par contre, elle a une machine à broder. Et donc, du coup, elle propose des services de broderie. Et donc là, demain, j'y vais pour faire broder le prénom de Marceau sur le cartable que j'étais censée lui confectionner, qu'il n'aura pas eu pour la rentrée, malheureusement. Donc, je vais essayer de le faire ce week-end, en sachant que j'ai aussi une commande à honorer. Donc, bah, je vais voir ça, mais j'espère vraiment qu'il l'aura pour lundi, mon petit loulou, parce que il attend après, en fait. Hein. Mais c'est vrai que j'ai donné la priorité au cartable de Lana, parce que... Bah parce que c'était un cadeau et je me dis, quand on offre quelque chose, on fait pas attendre les gens, quoi. Et elle pouvait pas faire sa rentrée sans son cartable alors que j'avais proposé d'offrir le cartable. Donc, bon. Au final, je sais pas si Béa, elle utilise le cartable parce que sur toutes les photos qu'elle a mis, la petite, elle le portait pas. Alors, quand on en a discuté, je lui ai demandé pour la taille parce que j'avais peur qu'il soit trop grand et je pense qu'il est trop grand. Et qu'elle a pas osé me le dire pour pas me vexer, mais... Je me serais pas vexée. Elle peut, même si elle le porte que l'année prochaine, ou peut-être même que en grande section, je me serais pas du tout vexée. Donc bah là, en fait, je vais pas du tout refaire le même modèle pour Marceau, puisque c'est, je trouve pas une réussite.
Donc, il sera beaucoup plus facile à faire, celui de Marceau. Donc, je ne vais pas en avoir pour longtemps. J'espère pouvoir le faire entre demain soir et dimanche. Voilà. Du coup, lundi, on reprend le travail en grande pompe. Je pense pas que les heures sup vont démarrer tout de suite, mais à mon avis, au mois de novembre, on démarre les heures sup jusqu'à fin décembre, quoi. Donc, elle nous a dit qu'on allait en faire beaucoup. Donc, j'espère juste qu'on commencera les heures sup quand j'aurai récupéré les services de Péri. Voilà. C'est ma seule exigence. Je suis pas gourmande. Donc, on verra bien. Du coup, je vais vous laisser pour ce soir. Je vous reprendrai demain matin. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Ciao !